Bonjour messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue chez Mr. Raph, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. Information à la une et très bonne nouvelle pour le Mali, plus précisément à Gao, l'armée de l'air dotée de drones TB2. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu le 14 février 2023 au camp Firoun à Al-Ansar et à la 3e région aérienne où il a remis officiellement des drones de type TB2, un acte qui concrétise la promesse du président de la République, le colonel Assimi Goïta, de doter l'armée malienne des équipements de dernière génération afin de lutter efficacement contre le terrorisme au Mali. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Bediara et d'autres responsables militaires et civils étaient de la mission. La délégation a été reçue par le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, en présence du comte-théâtre, le colonel Makan Alassane Diarra, des responsables des forces de sécurité et plusieurs officiers de la région militaire numéro 1. Après les honneurs militaires à huis clos, la délégation avec les officiers d'état-major du PCIAT Est ont échangé sur la situation sécuritaire, la stratégie adoptée pour accroître les capacités d'action des FAMA dans les secteurs d'opération, etc. Le ministre a procédé à la remise des drones de type TB2 à la base 300 de l'armée de l'air avant de visiter le centre de contrôle et de pilotage des drones. Il a fait une visite guidée des infrastructures en cours de réalisation, notamment la piste de parking, le centre d'accueil et d'hébergement, le hangar des avions de chasse et quelques locaux de l'armée de l'air.